suis-je? C'est bon. Du calme. Relax. Tout ira bien. On a été plus malin. On a atteint nos buts. L'homme fera toujours mieux que la machine. Malheureusement, vous avez de bien vilaines blessures. Vous êtes stable, mais va falloir du temps. Qui êtes-vous? C'est moi, Taylor. Il faudrait peut-être vous réveiller. Non? Centre-ville de Zurich, terminus. Hé! T'es toujours là? Bienvenue. Taylor. Ouais. Tu sais ce qui se passe? Est-ce que je rêve? Bah, si on veut, ouais. Autant y aller carrément, hein. Après tout, tu peux toujours te réveiller. 12 décembre 2054, 7h30. Nous sommes à bord d'un train privé à destination du quartier général de Coalescence, basé à Zurich. Nous transportons un prototype pour le projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. C'est-à-dire un logiciel d'IA spécialisé capable de se réécrire. Il pourra se connecter à n'importe quel autre système dans le monde. À l'époque, c'était de la technologie de pointe. Ça allait révolutionner un beau paquet d'applications civiles et militaires. Enfin, ça aurait, si le train était arrivé à destination. À 7h31, un groupe terroriste provoque une explosion à bord de ce train. Des années de recherche en robotique qui partent en fumée. Tu es là pour empêcher ça. C'est pas réel. C'est impossible. Qu'est-ce qui m'arrive? En ce moment? En ce moment, t'es dans un coma artificiel avant de te faire opérer. T'as un nouveau composant dans ton cerveau. Une interface directe neuronale, IDN. J'en ai une aussi. C'est ce qui me permet de communiquer avec toi. Ton IDN est ce qui relie ton esprit à ton nouveau corps et au monde qui t'entoure. On est connectés. Tout ça n'est qu'une simulation dans notre esprit. Et t'as du pain sur la planche. Lance-roquette. 11h30, le 11 décembre 2054. Les forces de sécurité de Zurich reçoivent un appel anonyme leur indiquant la planque des terroristes. Malheureusement, ils sous-estiment la puissance de feu que ces sales fils de pute ont amassé. Ils se font prendre par surprise, et ils morflent comme jamais. Bilan. Boum le train. Tu te souviens de Diaz? Je crois. Il va t'aider à t'habituer à tes nouvelles capacités super cool. La communication, frangin. On doit tous être synchro. Hey Taylor, t'es un vrai connard. Il a rien entendu. Si je veux te parler, l'IDN fonctionne sur un canal fermé. J'ai même pas besoin d'y penser. Mais... pour info, si t'envisages de traiter Taylor de connard en direct, je te préviens, tu vas morfler encore plus que ces robots. Ok. Voyons si tu peux y arriver sans te faire trouer la peau, contrairement à ces pauvres types. Ok. Prépare ton arme. Je veux que tu fuites ces enfoirés. À droite. Y
y a toujours plusieurs chemins. En haut, en bas, à gauche, à droite. Chacun a ses avantages. Utilise ta mobilité améliorée. Il va te falloir un peu de temps, mais tu seras vite à l'aise. Essaie un peu. J'ai parié 100 dollars que tu y arriverais. Pas mal pour un début. Pas mal. Le mode tactique met en évidence les dangers comme les roquettes et les grenades. Tu vois du rouge qui clignote? Tire-toi. Les infos du mode tactique sont synchronisées avec le reste de l'équipe. Si l'un de nous voit un truc, on le voit tous, même à couvert. Continue d'avancer. On a beaucoup de PC. L'IDN nous permet de communiquer entre nous, mais aussi d'interagir avec un tas de systèmes informatiques, comme par exemple la plupart des drones de base. Pour les bipèdes, ces unités terrestres sophistiquées, c'est plus compliqué par contre. Ces enfoirés ont une intelligence synergique. Si t'essaies d'en prendre le contrôle, bam, tu te grilles le cerveau. Mais ceux-là, ils sont faciles comme tout.
Vas-y. Pirate-les. Va voir ce qui se passe de l'autre côté de ce mur. Ça te va comme un gant, hein? Et maintenant, il y a un générateur pas loin d'ici. Détruis-le et ça devrait ouvrir la porte. Dès que tu vois une caisse de munitions, ce serait con de te retrouver à sec en plein combat. Connecte-toi à la console centrale et extrais un max de données. Hey, ça va. Ça va. Allez, détends-toi. Respire à fond et dis-moi ce qui s'est passé. J'étais en Éthiopie. Les bots, j'ai tout revécu. Qu'est-ce qui m'arrive? Merde. Tes sens peuvent déclencher des souvenirs très précis. Tu te souviens de sons, d'images, de paroles de chansons. Tu penses à des trucs auxquels t'as pas pensé depuis des années. L'IDN peut rendre ça beaucoup plus réaliste. Des hallucinations visuelles, des sortes de murmures. Ça peut arriver. Le docteur peut arranger ça. On devra juste adapter tes médocs. Crois-moi, ça va aller.
Et maintenant? Ok, maintenant, tu peux accéder à cette console. Dès que tu seras connecté, tu pourras extraire et traiter des données en un rien de temps. Compris. Vous avez une taupe à l'intérieur. J'ai quoi à l'essence? Leur contact aurait pu leur fournir tout ce qu'il fallait pour contourner la sécurité à bord du train. Avec cet assaut bâclé, les forces de sécurité ont mis 6 heures à obtenir cette information. Bilan? Boum le train. Ça t'a pris 6 minutes. Et ça lui en aurait pris 5 si tous ces robots l'avaient pas fait flipper. Et on fait quoi maintenant? Maintenant, on va trouver ce fils de pute. Renseigné par ses potes terroristes, la taupe les attendait. Il avait tout plein de machines de combat avec lui. Pour changer, les forces de sécurité de Zurich ont sacrément morflé. Bilan? Boum le train. On l'a perdu. On l'a perdu. Tu te souviens de la spécialiste Sarah Hall? Elle va te guider pour la prochaine partie. Fais exactement ce qu'elle te dit. C'est moi qui l'ai formée. Elle était spécialiste du renseignement quand ça voulait encore dire quelque chose. Avant l'IDN, il fallait lire des livres. À l'Académie, Taylor m'en a fait lire plein des comme ça. Oui, certaines connaissances exigent du travail, de l'attention. Et donc du temps. Mais le temps, on l'a pas toujours. Ok, à nous. À partir de maintenant, la simulation va se détacher des faits. Mais ça aura toujours l'air aussi réel. Utilise ton imagination. J'envoie sa position sur ton ATH. Allez, bon, pas de chance. Attention, ennemi au deuxième étage. Je l'ai toujours en visuel. Ceci est votre unique avertissement. Notre gars pirate les rapaces des forces de sécurité. T'en déduis quoi? Et en fuite. Il est pas assis derrière un ordi. S'il peut les contrôler, c'est qu'il a une IDN aussi. C'est la logique même, je te l'accorde. Cet enfoiré court encore. Utilise ce panneau pour atteindre l'autre bout du train maglev. Je pense que notre suspect rencontrera la faucheuse d'ici une quinzaine de secondes. Tu ne peux pas le laisser mourir. Pas avant qu'on ait les informations qu'on veut. Je crois pas qu'il soit vraiment en état de parler. Il n'a pas besoin de parler. Il a une IDN. Enfouie sous plusieurs couches de protocoles de sécurité, l'IDN d'un individu stocke des vidéos de ce qu'il a vécu.
dans d'extrêmes circonstances, il est possible d'extraire ces informations par la force. Tu peux pénétrer dans la mémoire des porteurs d'IDN, dans leurs pensées, dans leur inconscient. Tu pourrais apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir sur les terroristes. Sans qu'il y ait un mais après ça. Disons que cette procédure n'est pas seulement traumatisante pour le sujet, elle crée aussi de graves interférences qui détruiront son cerveau. Il mourra. Crois-moi, c'est pas une mort agréable. Il est condamné de toute façon. Et puis, c'est un putain de terroriste. Il y a quelques minutes, tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu sais maintenant ? Je sais où ils sont. Ils utilisent les anciens tunnels pour préparer leurs attaques. Les gars de Zurich ont mis des semaines à découvrir ce que ton IDN t'a appris. Mais qu'est-ce que je vais dire maintenant ? Bilan, boum le train. Super, tu prends des décisions difficiles quand il faut. Je crois qu'on peut passer à la suite. Poussons les renforts! Les forces de sécurité ont fini par retrouver les terroristes. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. T'es toujours là, hein? Dommage. J'ai parié $100 avec Diaz que t'irais pas si loin. Ce rigolo, c'est le spécialiste Peter Maretti. Il va t'aider à comprendre à quel point t'es une putain de grosse brute maintenant. N'oublie pas, il manque encore la dernière pièce du puzzle. Comment ils ont pu charger ces explosifs dans le train? Que ce soit bien clair, quand tout sera fini, tu me devras $100. On y retourne. Comme tu le sais, un des avantages des Black Ops, c'est d'avoir accès aux dernières armes expérimentales. Les armes à feu peuvent être efficaces au combat. Mais avec l'IDN, c'est ton cerveau qui devient l'arme la plus puissante. On va faire du grabuge. Faut continuer comme ça! T'as une nouvelle cybercapacité à tester. L'immolation. Et c'est là sur ces équipes. Peu à volonté! Il est à point. Bien, c'est l'idée. Reste pas là à glander. Sors-toi les doigts et change ton cybernoyau.
Pas mal pour une première fois. Ils utilisent des grenades fumigènes. Active la vision améliorée, on voit plus rien. Que ce soit dans le noir total ou à cause de la fumée. Qu'est-ce qu'il y a de ça? T'auras plus jamais à t'inquiéter de ce qui est tapis dans l'ombre. C'est ça, l'étoffe des vrais soldats. La fête est pas finie, on y va! Sois des bots sur ce wagon! Vite-les! On dirait qu'ils sont entrés dans la station d'épuration là-bas. Suis-moi. Garde la tête baissée. T'as quoi te défendre, mais t'es pas immortel. Une balle dans la tête et tu rencontres ton créateur. Voilà, c'est ça que je veux voir! Attendez, ça
Bien joué. Connecte-toi à cette porte pour moi. C'est quoi cet endroit ? C'est ici que tout est arrivé. Cet ordinateur devrait nous donner des infos sur la façon dont ils ont apporté les explosifs à bord. Va te connecter. C'est les robots. Ils ont piraté les robots de sécurité. Ils ont mis les explosifs dans le train. Tu veux entendre un truc ironique ? En réalité, l'attaque terroriste a accéléré le développement du projet de réseau neuronal de l'accord Winslow. Si on n'avait pas eu peur des attaques de ce type, on n'aurait sans doute jamais eu le programme de cybersoldats. Attends un peu. Il est 7h25. Tu as 5 minutes. T'es déjà venu ici, mais voyons maintenant si tu peux changer l'histoire. Considère tous les robots comme des ennemis. Crois-moi, c'est aussi comme ça qu'ils te voient. La volée de coups est une autre de tes cybercapacités. Et celle-là sur ces bots. Surveille les côtés. Ils arrivent par les fenêtres. Une belle volée de coups. C'était nickel. C'est juste une simulation, mais fais gaffe où tu tires. Ne blesse pas de cible inutilement. Le wagon est piégé. Si je pirate la bombe, que je la déplace ou que je détache le wagon, ça saute. Ça va pas ! Même avec un ordinateur dans le crâne, je manque de temps ! En fait, c'est très simple. Attends. C'est un train maglev. Si j'inverse la polarité de ce wagon...
Il n'y avait aucun moyen d'arrêter ça et de descendre du train. Ton IDN te montre toutes les options. Mais toi seul peux décider de ce que tu acceptes de sacrifier. Parfois, il faut laisser tomber. Taylor, comment va votre patient ? Aussi bien que prévu. J'attends mieux que ça. Vous devriez le savoir. Rebonjour. On te prépare pour la chirurgie maintenant. Tout ira bien. Hendrix n'a même pas été blessé au cours de la mission. Il s'est porté volontaire. L'augmentation du nombre de drones et de robots pour les combats a fortement diminué la présence humaine sur le terrain. Je l'ai dit et je le répète, pas d'autres commentaires pour le moment. Nous continuerons d'explorer la piste des négociations diplomatiques. L'accord Winslow nie tout envoi de troupes dans la région, affirmant chercher une solution diplomatique à cette nouvelle crise. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour fournir aux endroits concernés un appui tactique. On fait ça depuis combien de temps, Hendrix ? 5 ans. Plus ou moins. C'est ce qui me semblait. Tu penses jamais à ce qui nous attend ? Non. Tu me connais. Je suis le mouvement.